Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite chanson, une chanson avec des bruits. Attention, écoutez bien et répétez avec moi. C'est parti. La promenade en forêt. Je me promène dans la forêt. J'entends des bruits. Oh, une branche qui casse. Crac. Un hibou qui chante. Ouh, 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 ouh. Un cheval qui passe. Je marche dans la pluie, plif, plaf, plif, plaf, et je saute dans la flaque, plouf. Je rentre à la maison et je sens que je vais être malade. Ah-tchoum! Une deuxième histoire avec des petits bruits. Le matin, avant d'aller à l'école, dring, dring, le réveil sonne. Je saute du lit, hop, hop, je cours sous la douche, pshh. Je reste un peu sous l'eau. Je me frotte avec le gant. Quand je sors, je me sèche les cheveux. Et je m'habille. Je ferme la fermeture éclair de mon gilet. Et je suis prêt pour le petit déjeuner. Miam, miam. Troisième histoire, les bruits de la cour. C'est l'heure de la récréation. Je monte sur le toboggan et je glisse. Je fais du vélo et de la balançoire. Ring, 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 ring. Je cours très vite et peut-être je me retrouve par terre. Aïe, aïe, aïe. J'entends venir l'ambulance. Pimpon, pimpon. C'est pour moi? Ah non, elle est repartie. Un gros bisou de la maîtresse. Et en avant. Voilà trois petites histoires rigolotes avec des bruits. Est-ce que vous allez pouvoir trouver les bruits des mots que je vais vous prononcer? On y va? Le train. Tchou-tchou. La moto. Vroom, vroom, vroom. Le chien. Wouf, wouf, wouf. Le chat. L'horloge. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le téléphone. Quelqu'un qui éternue. Achoum! Quelqu'un qui tousse. Un autre bruit que l'on peut entendre. Des bruits de pas. Un autre bruit, de l'eau qui coule. Glou, 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 glou. Un autre bruit de la maison, la porte qui claque. Clac. Un autre bruit que vous pouvez reconnaître. Une petite idée? Non? Alors, si je fais ça. Oui, c'est quand on tape des mains, quand on dit bravo. À votre tour. Essayez de trouver plein de petits bruits que l'on peut faire avec sa bouche. Plein de petits bruits de la maison, ou des petits bruits de la rue, des petits bruits du jardin. Essayez de reproduire ces bruits avec votre bouche. On appelle ça des onomatopées. Quel drôle de nom. Onomatopées. Onomatopées, ce sont les petits bruits que l'on entend, que l'on essaie de prononcer avec sa bouche. Dring, wan, flac, bloum. Aïe, tchic, paf, et voilà, ce sont des onomatopées, des petits bruits que l'on va essayer d'imiter. À votre tour d'en trouver et de les incorporer dans une petite histoire ou une petite chanson ou juste de les répéter. À bientôt!